Merci Lamine. Lamine Sissoko. Mon ami Lamine, Cora Player. Ouais, un grand choice. Lamine réside en Suède, Suède le mec. Vous pouvez visiter sa page Lamine Sissoko Full Account Facebook, Lamine Sissoko Full Account. Il sera bientôt en studio en trio. Alors, donc après l'ouverture avec Lamine, nous allons passer au partage donc de l'article de notre ami Talibou Aïdara. Il regarde Sonko. Oui, il le recadre. Ne mettez pas nos pêcheurs dans la précarité. Alors, c'est l'intitulé de cet article, cet intéressant article que nous allons partager. Alors nous disons tous Juma Mubarak et bonne et heureuse année encore. Meilleurs vœux pour l'année 2019 et paix au Sénégal. Voilà donc, chers amis.
Avant de commencer, nous voulons peut-être réitérer nos voeux de bonne et heureuse année à tous nos amis de Facebook notamment, à nos parents, collègues et à toutes nos connaissances à travers le monde. Que l'année 2019 soit une année de paix d'abord pour notre pays, une année de prospérité et une année qui va davantage nous mener vers l'émergence, car il s'agit de cela, faire émerger notre pays pour que tout un chacun, chacune puisse en bénéficier. Et c'est ça le vœu de tous les patriotes sincères de ce pays. Une année de santé, de longévité, de bonheur et de prospérité à vous toutes et à vous tous. Il ne s'agit pas d'une première. Comme vous le savez, j'ai l'habitude de partager tous les articles que je rencontre au niveau de la presse et qui me semblent être extrêmement importants à porter au niveau de la toile. Sans doute les uns et les autres ont déjà lu cette importante contribution de notre camarade et ami Talibou Haïdara, communicant et journaliste, par ailleurs acteur dans le secteur de la pêche. Mais il m'a semblé important et utile, encore une fois, en audio, de le partager avec l'ensemble des internautes. Et vous voyez qu'au niveau de ma page Facebook, je l'ai partagé. Et le titre de la publication, c'est « Encore lui ». Encore lui. En fait, de qui il s'agit? Vous le savez tous. Il s'agit de notre honorable député, M. Ousmane Sonko. Monsieur connaît tout. Vous vous rappelez, ces derniers temps, le doyen Ibrahima Sène, qu'on n'a pas besoin de présenter, avait répliqué à une de ses sorties concernant comment il allait financer son budget s'il venait d'être élu président de la République. Et vous vous rappelez que dans cette sortie, il disait qu'il allait remettre en cause les accords sur le gaz et le pétrole, qu'il allait également renforcer les revenus au niveau de la fiscalité et qu'il allait également, en troisième point, permettre à l'État, dans le cadre de la lutte contre la corruption, de rassembler des moyens. Et il avait quantifié pour chacune de ces trois propositions combien de millions, en fait, ou combien de milliards il allait mobiliser pour son budget. Et le camarade Ibrahima Sène avait, d'un revers de main, en fait, tout dégagé pour dire que ça ne tenait pas. Voilà encore aujourd'hui qu'il revient sur les accords de pêche. Je ne vais pas m'apesantir personnellement là-dessus. Un connaisseur, étant communicant et acteur du secteur, a déjà donné un point de vue qui est tout à fait partagé, un point de vue tout à fait aussi plausible. Donc, c'est la raison de ma sortie aujourd'hui pour partager avec vous cette contribution.
abroger et renégocier des accords de pêche. Attention, Sonko. Ne mettez pas nos pêcheurs dans la précarité. Voilà ce que Talibou Haïdara dit pour commencer. Et il poursuit. Le candidat déclaré à la candidature, M. Ousmane Sonko de PASSEF, est d'avis que les accords de pêche signés par l'État ne prennent pas suffisamment en compte les intérêts du Sénégal. Sa solution à lui consisterait à les abroger et à renégocier d'autres qui, selon lui, permettront aux pêcheurs de vivre des fruits de leur labeur, mais aussi aux Sénégalais de pouvoir à nouveau manger du poisson qui, jusque-là, était exporté vers l'Europe, le Japon, entre autres. Il avait fait cette déclaration, il s'agit de M. Sonko, il avait fait cette déclaration à Mbour le 19 décembre 2018 dans le cadre de sa tournée. Des propos qui ont surpris et inquiété les pêcheurs sénégalais qui interviennent dans les eaux bissao-guinéennes, gambiennes, mauritaniennes et capverdiennes et qui cherchent aujourd'hui les possibilités de diversifier les pays de pêche à travers des accords entre États. Croyant que c'était une erreur de langage de la part du leader de PASTEF, voilà qu'il le réaffirme sur le plateau de la 2STV où il était invité pour se prononcer sur le discours du président Macky Sall. Donc c'était le dernier plateau de la fin de l'année. Monsieur le candidat à la candidature, vous avez décidé dans vos dires, si vous êtes élu, d'abroger et de renégocier des accords de pêche afin de permettre aux pêcheurs de vivre des fruits de leur labeur. Bravo, monsieur l'expert. Mais monsieur Sonko, il faudrait connaître d'abord l'histoire de la pêche et des pêcheurs au Sénégal avant de se prononcer sur un sous-secteur très sensible. Car à vous entendre parler de la pêche, on voit sans nul doute vos limites ou votre manque de politique de développement pour ce sous-secteur très important de l'économie nationale. Pour votre information, je voudrais vous faire connaître que le Sénégal est l'un des rares pays d'Afrique qui a une tradition de pêche avec des communautés et des villages de pêcheurs. Ces communautés sont des Lebou de Dakar avec leurs villages, des Sereur Nyominka de Fatik et Thiès, des Tchoubala du Fouta et des Guetndariens de Saint-Louis. Pour votre information, ces communautés qui se comptent par centaines de milliers n'ont autre activité que la pêche. Et cet héritage se transmet de génération en génération. Aujourd'hui, on les trouve sur le long de la façade atlantique du Maroc à l'Angola. Qu'il y ait un accord ou pas, ils iront pêcher dans ces pays avec bien sûr des conséquences parfois très désastreuses. Pour votre information, le parc piroguier qui était à près de 9 000 en 2002 est aujourd'hui à près de 22 000 embarcations. Les captures de cette flotte artisanale font 80% des débarquements du Sénégal en produits halieutiques et les 20% proviennent de la pêche industrielle. Pour votre information,
Cette pression sur la ressource halieutique demande de la part de l'État des alternatives afin de permettre à nos pêcheurs de continuer de vivre de ce sous-secteur. D'où la signature d'accords de pêche avec la Gambie, la Mauritanie, la Guinée-Bissau et le Cap-Verde. Pour votre information, au même titre que le Sénégal, ces pays sont souverains et n'accepteraient jamais un diktat du Sénégal. Le Sénégal, pour l'intérêt de ses pêcheurs qui sont demandeurs, se doit de les mettre dans les conditions légales. C'est ce qui explique la signature des accords de pêche avec ses pays voisins. Pour votre information toujours, afin de permettre à ces pêcheurs de vivre de leur métier, l'État du Sénégal a jugé nécessaire de diversifier leurs zones de pêche, d'où la nécessité de négocier de nouveaux accords de pêche avec des pays comme la Guinée, Conakry, le Maroc, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée équatoriale, le Gabon, etc. J'ai bien dit négocier et non abroger et renégocier. Monsieur l'inspecteur du Trésor, on ne remet pas en cause un acquis. Pour votre information, à part la Gambie, la Mauritanie, la Guinée-Bissau et le Cap-Verde, le Sénégal n'a d'accord de pêche qu'avec l'Union européenne pour les thonidés et le merlu à titre expérimental. Permettez-moi, monsieur le leader de PASSEUF, de vous éclairer sur la pêche thonnière. Pour votre information, les thoniers seineurs opèrent dans une vaste zone allant de l'Angola à la Mauritanie et le stock de thon n'appartient pas à un pays mais à tous et leur gestion est assurée par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Afrique, CCAT ou CICTA. Pour mieux éclairer votre lanterne, je vous recommande la contribution du professeur Sogui Diouf, paru dans beaucoup de journaux du Sénégal au courant du mois de juillet 2014. Elle s'intitule « Les accords de partenariat de pêche durable entre l'Union européenne et des pays tiers, le cas du Sénégal ». À travers cette contribution, vous pourrez apprécier le contenu à sa juste valeur. Quant au merlu, c'est un poisson exclusivement marin qui vit à de grandes profondeurs entre 200 à 1000 mètres et qui est rarement pêché par nos pêcheurs artisans. Pour votre information, l'Union européenne a signé avec des pays tiers 14 accords de partenariat de pêche durable. APPD. 11 sont des accords thoniers et 3 des accords mixtes. Enfin, pour terminer, pour votre information, le Sénégal avait accordé des autorisations de pêche à des navires étrangers pour la pêche pélagique hautunaire de 2010 à 2012. Arrivé au pouvoir en mars 2012, le président de la République Macky Sall a mis fin à ses autorisations. Le ministre de la Pêche d'alors, M. Pape Diouf, avait tenu une conférence de presse en avril la même année pour l'annoncer. M. Sonko, pour l'intérêt de nos pêcheurs artisans, prononcez-vous moins sur la pêche. Au contraire, vous risquez de les mettre dans une situation de précarité.
car les frontières des autres pays leur seront fermées. À bon entendeur. Par Talibou Aïdara, communicant, journaliste, cadre APR, département de Bignona. Email aidara.or.t@gmail.com. Voilà donc, chers compatriotes, cet important article que je tenais à partager avec vous. Maintenant, les commentaires sont libres. Et de ce point de vue, mon commentaire, pour terminer, est que voilà un candidat à la candidature qui, pour tout simplement augmenter sa notoriété, augmenter sa popularité, augmenter son audience, notamment au niveau de la jeunesse, est prêt à se prononcer sur tout. Sur tout, je dis bien. Il n'a pas besoin de connaître le secteur. Il a tout simplement besoin de se prononcer là-dessus et d'aller dans une position opposée à la position officielle. Et pour moi, il s'agit d'une attitude extrêmement dangereuse pour un responsable politique, surtout quelqu'un qui prétend en fait diriger les destinées de notre pays. Donc je crois que les alertes sont extrêmement importantes et de ce point de vue, je tiens personnellement à remercier le camarade Talibou Aïdara pour cette importante contribution. Wait and see, nous en verrons d'autres. Et j'espère que la campagne électorale, au cas où M. Ousmane Sonko est retenu parmi les candidats officiels, révélera encore beaucoup d'autres choses parce que le débat sera beaucoup plus clair, les confrontations seront très directes et nous pourrons en juger des capacités des uns et des autres de diriger en fait notre pays. Tout en vous souhaitant encore une fois un bon vendredi, je vous souhaite un week-end excellent pour les uns et les autres et réitère encore mes voeux de bonnes et heureuses années. Merci. Thank you.
Voilà, merci beaucoup Lamine, merci. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci.